Que ça nous revigore dans ce qu'on est en train de faire au Togo, parce que le gouvernement a fait du secteur agricole le moteur de l'économie. Et depuis la crise de 2008 qui a beaucoup secoué le monde et le Togo n'a pas été du reste, il y a beaucoup de politiques et de programmes qui se mettent en œuvre et avec des résultats qu'on consolide au fur et à mesure de telle façon qu'on est en train de passer à l'échelle avec les agropôles. Et à ce moment, on a déjà le côté irrigation qui occupe une place importante puisque l'objectif étant d'augmenter pas seulement la productivité, mais également les rendements. Pas seulement être là en train d'augmenter les surfaces cultivables, mais même sur une petite surface qu'on puisse avoir un bon rendement et avoir la possibilité de cultiver également tout le long de l'année sans être obligé d'être assujetti aux pluies et aux changements climatiques qu'on connaît.